C'est frappé. Est-ce que ça passe? Il y a le volume, vous m'entendez? Ça passe? C'est bon? S'il n'y a pas le volume, vous me dire. Ça passe là, c'est bon? Edna, tu m'entends? Tu m'entends là, ça passe? Ok. Emmanuel Macron a reçu en France Alassane Dramane Ouattara. Avant les élections, on vous avait dit, attention à Macron. Les Africains, vous ne voulez pas grandir. À chaque fois qu'un président français passe au pouvoir, vous pensez qu'il est là pour vos intérêts. Aujourd'hui, il a convoqué Ouattara là-bas à l'Élysée. Hein? Ouattara qui est le chef de la rébellion ivoirienne, qui a causé la mort de milliers d'Ivoiriens. Le charnier de Yopougon, les coups d'État, tout ça c'est Ouattara qui a financé. Aujourd'hui, il est au pouvoir, deuxième mandat, ça ne va pas en Côte d'Ivoire, beaucoup d'injustice, beaucoup de sang. Lui n'est pas la CPI, lui il est peinard, il va en France. Peuple africain, ne soyez pas triste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Ils se demandent, mais comment est-ce que Macron peut recevoir Ouattara? Mais Macron et Ouattara, c'est la même chose. Ce sont des banquiers tous les deux. Hein? Ouattara est un banquier, Macron est un banquier. Donc ils sont dans les mêmes réseaux, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Les Africains doivent comprendre qu'aucun président français, aucun, ne viendra les affranchir de la France-Afrique. Tu comprends? Hein? Là, il a reçu Ouattara. Demain, quand il va recevoir Ali Bongo, beaucoup de pingistes, beaucoup de gens têtus vont continuer à se mentir que non, ça ira, ça ira. Ça n'ira pas! Ça n'ira pas! Ces gens-là sont ensemble contre le peuple africain qui veut sa souveraineté. Ils combattent tous les Africains qui veulent juste de leur richesse. Ce sont nos ennemis. On n'est pas amis avec Macron. Il a reçu Ouattara, l'assassin, le criminel. Vous pensez que quoi? Hein? Quand même, ouvrez les yeux. Tu vois, des gens, ils écrivent des posts, ils sont tristes. Oh voilà, Macron, Ouattara. Mais qu'est-ce qui t'étonne maintenant? Moi, ça ne m'étonne pas. Hein? Ça étonne qui, ce genre de conneries, que Ouattara a été reçu par Macron? Ça étonne qui? Arrêtons d'être comme des gamins. On doit grandir là. On doit comprendre les réalités de ce monde. On doit comprendre comment ça fonctionne. Ils sont tous contre nous. Tous sont contre nous. Tous. Tous. Ouattara, Macron, Nini, tous c'est des bandits. Tous. Tous c'est des bandits. Il faut que les Africains le comprennent une fois pour toutes. Il faut le comprendre. Il faut l'accepter. Et il faut faire avec. Je suis vraiment triste de voir que les Africains ne veulent pas comprendre. Tout à l'heure, j'ai mis sur ma chaîne, sur notre chaîne Sans Tabou, la vidéo d'un Gabonais qui est parti à l'ONU déposer un dossier. Mais j'ai dit, mais quel est le but de ce genre d'action?
Quel est le but de son truc? Je ne comprends plus rien. Votre président élu envoie la lettre à Macron pour dire voilà, je suis. Mais les gens se comportent comme si. C'est quoi? C'est ça, c'est qu'ils ont l'hypocrisie qu'on est en train de faire maintenant. Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi les Africains se comportent comme des gens qui ont la connaissance, mais qui n'ont pas la connaissance? Arrêtez d'être comme des gamins. Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Ouais, hier, votre président élu a envoyé des lettres à Macron. Il a envoyé des lettres au ministre des Affaires étrangères. On en est où maintenant? Il y a un problème. C'est la bordellerie à ce niveau-là. Gabonais, Gabonaise, l'avenir du Gabon est entre vos mains et entre vos mains seulement. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Si vous continuez à penser que la communauté internationale, que la France, que Macron, n'importe qui, va venir vous aider, vraiment, on va atteindre 2024, là, il n'y aura pas de changement. Vous devez couper les ponts avec ce genre de raisonnement. Il faut grandir. Arrêtez d'être comme des enfants. Arrêtez d'encourager l'hypocrisie qu'on fait envers vous en Afrique. Arrêtez de faire ça. Vous devez être objectif et accepter la vérité. Ce n'est pas comme les Frédéric Massala qui font des conférences bidon pour mentir. Il faut accepter la vérité. Les Africains sont seuls en ce combat. On est seuls contre le monde. Est-ce que les gens comprennent ça? Donc, il ne faut pas être triste parce que vous avez vu Ouattara et Macron ensemble. Ils sont pareils. C'est les mêmes gens, c'est les mêmes gangsters. Ils sont dans les mêmes réseaux. Ouattara, c'est un économiste. Macron, c'est un banquier. Ils savent où ils se retrouvent, ils se comprennent. La compréhension est simple. L'Afrique, il faut la piller. Le noir doit souffrir. Ah! Vous comprenez? Donc, arrêtons de jouer aux hypocrites. Moi, je suis fatigué d'hypocrisie des Africains. J'en peux plus. Je suis gazé de ça. On ne fait que vous faire les mêmes choses tous les 10 ans, tous les 5 ans, et vous tombez toujours dans le même piège. Les mêmes trucs. C'est comme si l'homme blanc ne cherche même plus à réfléchir. Avec vous, il sait que vous allez toujours croire à cette connerie. Il fait sa comédie devant vous, mais vous croyez toujours. Vous voulez trop de bénéfices du doute. Pourquoi vous n'êtes pas comme ça avec Ali Bongo? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi les Africains n'arrivent pas à donner le bénéfice du doute à leur Africain dictateur, mais quand c'est l'homme blanc, ils espèrent toujours l'inespérable? Vous espérez quoi de Macron? Vous espérez quoi de lui? Qui vient de défendre la démocratie au Gabon? Sans sérieux. Qui sort de Babou de prison? C'est un chien! C'est un connard comme Ali Bongo? Ou bien? C'est un imbécile comme lui? Parce qu'il est jeune et blanc, les yeux bleus. Voilà pourquoi vous pensez que c'est un ange? C'est un démon ce type. Ou bien? C'est un diable, il n'a rien à foutre de vous. Il est venu au pouvoir pour vous manger, Africain. Pour vous bouffer encore plus. À part l'Afrique là. Ils ont quel autre continent selon dans lequel ils bouffent leur argent? Je vous demande. Arrêtons de jouer aux hypocrites. Mélenchon a parlé et lui, il avait proposé à la France une alternative. Il a dit, on fout la peau aux Africains et on investit dans l'économie verte, dans l'écologie. Ça a un sens. Remplacer les centrales nucléaires par les éoliennes, par les énergies vertes, c'est compréhensible. Son plan avait un sens. Macron, lui, c'est quoi son foutu plan? Il vous a dit, alors, il est venu pour cimenter la France-Afrique. Il n'est pas venu briser, c'est un menteur ce connard-là. Quand il va vous dire à la télévision que voilà, moi, on va faire des choses différentes. C'est un menteur! Il est comme Chirac, il est comme tous ces connards de Français qui étaient avant lui président. Ils sont tous pareils. Donc arrêtez d'être surpris. Rien de ce qu'il fait ne m'étonne là. Rien du tout. Rien du tout. C'est un pauvre type comme Sarkozy, comme Hollande. Ils sont tous des cons, eux tous. Eux tous, donc ils sont. La France a saboté Gbagbo pendant 10 ans. Pour mettre Ouattara au pouvoir. Ils ont reconduit Ali Bongo au pouvoir. Arrêtez de rêver. Et Macron, c'est le bébé de la France-Afrique. C'est le président de la France-Afrique. Donc, il n'y a rien là. C'est un pauvre type. Je vous dis, ne perdez plus le temps. Ouvrez les yeux. Arrêtons l'hypocrisie. L'hypocrisie ne paye pas dans le combat. Donc, ceux qui sont tristes, détristez-vous. Hein? La tristesse, c'est quand tu es surpris. Quelqu'un t'a déçu parce que tu pensais qu'il était bien. Mais tu es déçu de quoi? Pourquoi tu es déçu? Et tous les Gabonais qui sont allés voter pour Macron, là, vous allez regretter ça. Moi je vous avais dit, hein, n'allez pas voter pour ce connard là, n'allez pas voter pour lui. Abstenez-vous de ce genre de connerie de vote. Ce mec là, c'est un diable. Il n'est pas venu là pour aider l'Afrique. Il est venu là pour appauvrir l'Afrique. Pour prendre encore plus de richesses. Voilà sa mission. Aujourd'hui quand il invite Ouattara en France, il vous prouve avec qui est-ce qu'il roule. Il roule avec les gangsters, il roule avec les assassins, les criminels. Avec tout le mal que Ouattara a fait, la CPI de bordel. Ils n'ont pas vu Ouattara. Ce connard-là, depuis 2000, en train de faire des coups fourrés à la Côte d'Ivoire.
Depuis, il a fait tuer le général Gueye. Il a fait tuer Ibe. Il a mis Babo en prison. Donc, dites à tout le monde d'arrêter de se plaindre. Ne soyez pas déçus de Macron. Macron, c'est une pute. Et il fera sa puterie. Ok? C'est un imbécile. Laissez-le faire son imbécilité. Vous, Africains, comprenez bien que vous êtes seuls dans le combat. Donc, les gens ne soient plus surpris. Commencez à opérer maintenant avec la connaissance. Il ne faut plus être surpris comme des gamins. Il faut comprendre ces choses. Hein? Voilà. Donc, quand vous voyez les gens solliciter Macron, c'est que vraiment, c'est pas la peine. Moi, après, je dis que les trucs de la galaxie là-bas, ping, moi, je suis plus dedans. Mais là, c'est la connerie pure. Voilà. Ça a commencé déjà. Et bientôt, Ali Bongo ira aussi à l'Elysée. Et vous le verrez avec Macron, c'est ça lui. Vous allez faire vos marches, ils n'ont rien à foutre. Vous pensez que je mens? Ok. On l'attend, vous verrez vous-même. On verra où ira le dossier de la CPI. On verra si l'ONU va vous aider. Vous êtes têtu. Et voilà comment on va se retrouver en 2022. Rien n'aura bougé parce que vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes en train d'espérer des idioties, des choses qui n'en valent même pas la peine. Je vous dis, quand Ping vous écrit des lettres à Macron, il se moque de vous. Lui-même, il sait que ça va aller nulle part. Il vit dans quel monde? Quand même. Les gens du système qui font comme s'ils ne comprennent pas le système. Nous, on est hors du système, on comprend le système. Eux, ils sont dans le foutu système, ils font semblant comme s'ils ne comprennent pas le système. Ils se moquent de qui? De qui est-ce qu'ils se moquent? Franchement. Hein? Les Africains sont seuls, hein? Unissons-nous, travaillons. Arrêtons de croire dans des fables et des légendes. Tous les présidents français sont des salopes et ils viennent pour abuser l'Afrique, point bas. Ils viennent pour voler plus de richesses, pour faire des contrats, pour mettre au pouvoir leurs nègres de maison. Voilà leur plan. Ils n'ont en eux aucune once de bonté. Ils ne sont pas là pour aider quelqu'un. Pas du tout. Zéro. Je le redis. Mais c'est dur dans l'esprit de beaucoup de Gabonais. Ça les tente. Comme le frangin qui est parti à l'ONU, j'ai seulement pitié de lui. Je vais prier pour lui, que Dieu le délivre, parce que c'est triste. C'est triste. Tu amènes un recours à l'ONU, tu t'attends, c'est une blague. Tu vas porter plainte au Gabon à l'ONU, attends. Ça va aboutir où? Mais attends, est-ce que vous connaissez le monde dans lequel on vit? En fait, je pense que les Africains font exprès de jouer aux ignorants. Vous aimez jouer aux ignorants. Vous aimez vivre dans un monde de féerique, d'Alice au pays des merveilles. Vous ne voulez pas être objectif par rapport à vos réalités. Je pense que c'est ça le problème. C'est comme un déni de la réalité. Vous refusez d'accepter que le monde entier vous abuse. Hein? Vous voulez vous convaincre que le monde vous aime, que le monde vous considère. Le monde ne vous connaît pas. Le monde de la finance, le monde de l'argent n'a rien à foutre de vous. Honnêtement. C'est des gens qui peuvent créer des guerres pour prendre $1 million. Ils n'ont rien à cirer. Ce sont des assassins, des criminels. Et ils l'ont déjà fait avant. Vous pensez que vous êtes spécial, que vous êtes spéciaux, que voilà, machin. Ils ont votre temps. 1 400 000 habitants. Ils vous amènent où, vous? Dites-moi un peu. Où ils vous amènent? La Côte d'Ivoire, 18 millions d'habitants, ils amènent... Attends, mais vous savez, hein, on va prendre une pause et on va se reparler peut-être dans un an sur ce problème-là en particulier. Lorsque tout aura échoué sur le plan de la communauté internationale, lorsque Macron vous aura montré qu'il vous emmerde, que ce sera clair, je pense que les Gabonais seront plus attentifs à ce que je dis maintenant. Parce que pour l'instant, ils ont encore des espoirs. Pourtant, il y a 50 ans d'histoire avec l'Europe, avec l'Amérique, qui devrait être suffisante pour nous de comprendre que ce n'est pas la peine. Mettons l'énergie ailleurs, mais vous ne voulez pas comprendre. Vous continuez à jouer au têtu. Vous aurez. Donc, on verra où la plaie de la CPI ira. On verra ce que l'ONU fera et on verra ce que Macron fera pour vous aider. Vous comprenez? On verra. On va voir. Moi, je ne demande que ça. Que Macron aide les Gabonais, que Macron aide les Africains. Il n'y a pas de problème. Comme c'est l'élu, c'est Jésus. Non, on verra. Et dans un an, on fera le bilan dessus, on verra qui avait raison, qui avait tort. Et vous allez vous rendre compte de tout le temps que vous passez à faire l'idolâtrie des colons. Au lieu de vous faire vous-même, votre espoir c'est sur l'autre. Vous-même, vous n'êtes pas des gens, vous-même, vous n'êtes pas des hommes faire l'image de Dieu aussi. Vous n'êtes pas un peuple fort. Pourquoi vous avez toujours les mentalités d'esclaves comme ça? Ou bien, c'est malheureux. C'est quoi cette affaire que aujourd'hui le salut se résume à Macron? Arrêtez avec vous, Macron. Macron aussi Ouattara, il a même fait les bises à Ouattara. C'est son pote, il s'aime. C'est son ami. Hein, ils ont des plans ensemble, mais ils n'ont pas de problème. Ah, Seigneur Jésus. Donc, c'est bon, moi, je commence à être fatigué. Les Gabonais sont têtus. C'est bon. On a affaire à un peuple qui ne veut pas comprendre la vérité. Un peuple qui s'entête. C'est comme si le nègre se plaint à toujours être relégué à la place de dernier dans l'échelle mondiale. On aime être les boys de tout le monde. On aime être les gamins des gens. C'est comme si on aime ça. On aime se faire abuser par l'Occident, j'ai l'impression.
Puisque à chaque fois qu'ils font des manœuvres, on est toujours en train d'attendre comme des imbéciles que le salut vienne de leur connerie. Et ça ne vient jamais. Ok, on verra. Donc, on attend. Dans un an, on verra si la CPI a aidé, si l'ONU va aider, si Macron va venir enlever Ali Ben du pouvoir. C'est ça qu'on attend. On attend tout ça, non? Attendons. Croisons les bras et puis on attend. C'est frappé ou bien c'est dosé? À vous de décider. Mais ne vous plaignez plus sur ma page. Je vous dis que Ouattara, enfin, si j'ai rien à foutre. Ouattara et Macron, c'est des amis. Ils sont tous ensemble. Si quelqu'un n'ouvre pas les yeux, c'est pas la peine. C'est ça la France-Afrique. La voici maintenant. Voilà. All right.